Yo les gens, ici Rafi 150, on se retrouve pour le 25e épisode sur On The Road sur PlayStation 4 Pro. Donc c'est parti, petite livraison. Donc c'est une série qui va durer sur plusieurs épisodes, on va dire. Donc je vais faire un petit trajet donc de Kiel jusqu'à, on va aller jusqu'à Munich. Donc voilà, tout ça comme route. Donc je sais pas combien de temps ça va prendre, peut-être plusieurs épisodes, peut-être 3, 4, 5, je sais pas combien. Mais on va faire ce trajet parce que depuis longtemps sur la chaîne, je vais faire un long trajet, voir ce que ça donne. Donc le trajet fait normalement 888 km. Donc là j'ai pas encore allumé mon camion. Donc aussi petit truc que je voulais vous faire, je sais pas si vous avez, j'ai proposé dans l'espace communauté, on m'a dit que ça pouvait intéresser. Donc je vais vous caler pendant ma vidéo un petit podcast de radio. Alors soit Manu sur Énergie, soit Koé, soit Michael. Donc je sais pas ce que je vais mettre encore. Donc on verra, mais c'est pour que ce soit un peu plus moins New York dans la vidéo, parce que des fois c'est long. Donc c'est parti, je vais démarrer mon camion. Le chronotadigraphe a déjà été fait à démarrage camion. Donc on va regarder, on est à combien de kilomètres du camion, combien de kilomètres, parce qu'on a 888 km à faire. Donc là mon camion, au jour d'aujourd'hui, il est à 1446 km. Donc on verra, 1446, faut que je m'en rappelle. Bon, je pense que je vais me rappeler, mais il a 1446 km. On va voir combien de temps ça va mettre pour faire le trajet. Donc du coup, j'ai mis mon petit chrono, donc là on va partir. Et comme je vous dis, franchement, on va essayer de faire 3-4 épisodes, on va voir le nombre d'épisodes que ça va faire. Mais du coup, on va se caler ça sur plusieurs épisodes, parce que je voulais vous faire depuis longtemps un long trajet. Et je me suis dit, allez, je vais me motiver, je vais faire un long trajet. Du coup, je voulais partir du plus loin possible, donc Kiel jusqu'à Munich, c'est assez loin. Donc c'est parti, on va faire ce petit trajet ensemble. J'espère que cette nouvelle vidéo va vous divertir. Donc pour ceux qui ont regardé la chaîne hier, je sais pas si vous avez remarqué, mais ma vidéo numéro 24, j'ai coupé la musique d'intro. Parce que hier, je publie ma vidéo, comme par hasard, je reçois une notification droit d'auteur. Je suis d'accord, trop bizarre. Cette vidéo intro, ça fait des mois et des mois que j'utilise cette intro là. Et j'ai jamais eu de problème. Du coup, sur la vidéo 1.03, j'ai supprimé l'intro directement. Et là, du coup, j'ai recréé une nouvelle intro avec une nouvelle musique. Mais la musique, théoriquement, c'est une musique sans droit d'auteur. Donc, elle sera pas aussi bien que l'ancienne intro. Mais au moins, il y a une petite musique dessus quand même. Même si c'est moins bien. Le principal, c'est qu'il y a une intro avec une petite musique. C'est le principal. Donc là, on est déjà 3 minutes de vidéo déjà. Donc là, je sais pas combien de temps ça va mettre, je sais pas du tout. Hop. Enfin, je vais mettre sur un bout de papier. 1449, c'est ça que j'ai dit. Ouais, 1449 km. Donc c'est... faudra que je cale là sur un bout de papier. 1449 km. Enfin, je ferai un bout de papier, donc j'ai juste cherché un petit bout de papier, 2 secondes. Et après, je reviens vers vous. Un petit bout de papier avec un stylo, c'est possible. Donc, désolé. Hein. Un petit bout de papier là. Voilà, j'ai marqué ça un bout de papier. Je verrai ça en fin de vidéo. Et comme ça, on verra qu'on aura fini le trajet. Combien de kilomètres on aura fait quoi. Normalement, ils annoncent, j'ai regardé sur internet, Kiel Munich, sur Michelin, ils annoncent 888 km. Donc on va bien voir ce que ça va annoncer comme kilométrage quoi. Tu vois, y aller tous comme ça se faire vacciner. Ouais mais ça aurait été tellement plus cool, tu te fais vacciner, là t'as le public qui fait une haut là. Donc du coup je ferai des coupures au niveau du... On attend pour une dernière petite info. Je ferai des petites coupures au niveau des heures de repos on va dire. Ou soit je ferai une petite coupure, on fera la pause s'il faut mais... Donc ça peut être intéressant, ça fait plusieurs fois que j'y pensais, mais tu vois, ça va être trop long de faire un trajet comme ça. Mais j'ai dit, c'est pas grave, je vais faire ce trajet-là en plusieurs vidéos, comme ça, ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Et comme ça, on voit l'étranger, les grands trajets, quoi. Voir si c'est vraiment long, quoi. Et là, dans ce genre de trajet, je ne grille pas les feux rouges. Je fais vraiment comme si c'était réel. Je respecte vraiment les vitesses, tout ça, etc. Et voilà. Ah oui, il y a plein aussi à faire. Donc je pense que plein avant de partir. Je pense qu'on va faire le plein. Je crois qu'il y a un truc de plein pas loin d'ici. Juste là.
On va faire plein de trucs service, je crois. Je crois qu'il y a un truc de plein, je sais pas quoi qu'il y a un truc. C'est un truc de plein ici ou quoi? Non, pas de truc service. Bienvenue sur je suis où moi du coup? Ah oui, l'essence, c'est pas tout de suite. Les étanques. Non, il y a un étanque sur la route, on va pouvoir aller à les étanques. Mais comme c'est une intelligence artificielle, il n'a pas. Donc, par contre, si je mets de la musique, si je mets des podcasts, donc j'ai déjà prévu le coup de podcast, faut que je prépare le podcast de Manu sur Énergie de ce matin. Mais en espérant que j'ai pas de droit d'auteur, j'espère pas. Sinon, bah, j'essaierai de faire une autre solution où je mettrai pas de musique, mais ça, c'est pour que les vidéos soient moins ennuyantes à regarder, quoi. Ça vous fait un petit peu de distraction en même temps, quoi. Donc ce sera pas une musique forte, ce sera vraiment en fond de vidéo, comme si quand quelqu'un écoute la radio dans sa voiture, quoi. C'est, forcément, quand vous écoutez la radio dans votre voiture, vous avez pas la musique à fond, quoi, vous voyez. Vous avez la musique que vous pouvez quand même parler avec les personnes que vous êtes, quoi. Jusqu'à ce qu'on leur explique que le mot fita, dans plusieurs langues... C'est vrai que les feux sont assez longs, je trouve. Ils ont failli sortir en Suède et en Norvégien. Donc il y a une personne qui va remonter les problèmes sur la version Xbox. Nous, franchement, sur PS4, on n'a pas trop de gros problèmes, on va dire. Bah sur PS4 Pro, moi je suis sur PS4 Pro, alors je sais que moi, sur PS4 on m'a dit que souvent les jeux plantaient. Donc moi depuis que j'ai le jeu, j'ai jamais eu de plantage. Donc voilà quoi. Donc on y va. On va essayer d'aller jusqu'au prochain. Ah bah attends, qu'est-ce qu'il me fait le téléphone là? Non mais il file quand même. C'est ce qu'il fait que c'est m'enveille quoi. Sur 50 ici, ouais, je crois. Bon, à mon avis, ça va être super long. Je pense qu'il va y avoir au moins 4 ou 5 épisodes, à mon avis. Parce que ça va être super long hein, quand on voit le trajet déjà à faire. Mais ce qui me fait un peu chier, c'est les trophées qu'il y a dans le jeu. Attendez, il y a un trophée qu'il faut faire 10 000 km. Il faut avoir un canon qui a 10 000 km. Après, il y a un trophée, il faut avoir plus de 100 000. Et l'autre c'est 500 000, mais c'est impossible d'avoir 500 000 km sur un camion quoi. Là faut que j'accélère. Ça me paraît bizarre quoi. On est déjà à presque 8 minutes de vidéo déjà, qui reste 20 minutes. Il y a encore le temps. On peut rouler un petit peu. On va essayer de s'arrêter au prochain pour mettre le plein. Prochain endroit, comme ça on verra combien de kilomètres on peut faire le plein. Mais je trouve que. Depuis la match, je crois que j'ai l'impression que l'essence descend plus vite. Hein. Ça c'est bien, je trouve que c'est une bonne chose. C'est plus réel. Parce que là, depuis le. J'ai mon camion, c'est à faire plusieurs épisodes que j'ai acheté ce camion là. Et du coup, j'ai pas encore mis le plein. J'ai encore mon premier plein que j'avais fait dans le jeu quoi. Toi et moi, c'était bien, non? Depuis que j'ai acheté ce camion. Waouh! Depuis que j'ai acheté ce camion là quoi. Faut que je fasse aussi le trophée pour faire 100% de dommages. Tu me laisses une deuxième chance. Je pense que je prendrai qu'une marchandise et puis je ferai 100% de dommages directement quoi. Je me sens si seul. Donc là c'est bien, en plus on part sur la nationale pour ses débuts de vidéo. Qu'est-ce qu'il fait mon téléphone? Pourquoi il se verrouille quand même? On est à 9 minutes là. Donc voilà quoi. Donc là au niveau des temps de pause, j'espère que ça va être bon. Parce que là j'ai pas envie de faire ma pause tout de suite, je voudrais bien qu'on la fasse. Bah là il reste 2h37 avant la prochaine pause. Je veux bien qu'on la fasse bah, en fin de vidéo, ce serait cool. Ça m'éviterait de faire une pause avant quoi. Là du coup dans ces vidéos là, dans toutes ces vidéos qu'on va faire là, ce sera vraiment respecter les vitesses, vraiment prendre notre temps, vraiment découvrir la carte, voyager. Vraiment, on va dire que ce sera un road trip quoi. Vraiment un truc à la cool. Où c'est pour ça que je voulais mettre un peu de musique pour qu'on puisse. Et vous, moi je vais pas l'entendre la musique, mais ce sera plus vous. Vous entendrez la musique quand je jouerai. Donc ça peut être pas mal. Je dirais que dans le premier épisode, si le concept vous plaît. Là c'est cool, on est directement
sur la nationale, donc ça change un petit peu que prendre tout le temps l'autoroute. Avec qui vous allez jouer? Est-ce que vous joueriez pas avec Protipouta? Oh mais non, mais arrêtez cette rumeur. En espérant qu'il rajoute prochainement des nouvelles villes, ce serait cool. Je sais que les prochains projets dans le jeu, c'est qu'ils vont rajouter le custom, du coup les peintures, les repaints. Toi ça se dit des repaints. Et il y aura le kilométrage sur GPS, ça c'est vraiment un truc, moi c'est un truc qu'il faudrait, qu'ils auraient dû être déjà dans le jeu d'origine quoi. Quand le jeu est sorti, quoi. Ce qu'ils auraient dû mettre directement quoi. C'est vraiment un truc important dans le jeu. Putain, pourquoi il s'est éteint lui? Non. Waouh, je suis en train de regarder mon téléphone. Comment ça s'appelle Miss France 2016? Ah, je suis en train de regarder mon téléphone, je peux pas tout faire. Conduire avec mon téléphone. Comment vrai, on va dire? Vous voyez? Voilà pourquoi faut pas regarder vos téléphones quand vous conduisez. Parce que bah ça peut être dangereux. Voici la question. Alors, c'est pas grave, moi peu importe. Même si je fais des dégâts sur les marchandises, j'ai assez d'argent, je suis à. Presque 1,5 million. Et là, ça va être vraiment une livraison qui va me rapporter pas mal d'argent dans les 200 et quelques mille. On récupère Christelle, je vous annonce tous les deux que vous avez donné la même réponse. Cool, vous emballez pas, vous emballez pas. Putain, elle est loin la pompe à essence, elle est une pompe à essence au moment ici. Il faut que ce soit la bonne réponse. Ah, on y arrive, ok, on y arrive. Donne la même réponse que vous. Voici la question, Léa. Bah, pas une pompe à essence, une station service, c'est pas. Moi, j'appelle ça une pompe à essence, mais non, c'est une station service. C'est cool, je trouve, de conduire comme ça, de t'aller à coup, de pas être pressé, vous voyez. Je trouve que c'est cool de faire ça. Donc on arrive à la pompe à essence, on est déjà à 12 minutes. On va s'arrêter là. Alors je pense que c'est ça. On va se mettre ici, hop. On va couper quand même le contact, pour faire bien réel. Voilà, on va mettre le frein à main, on va sortir. Nous, la pompe, elle est sur le côté, ah, c'est là. Donc on a 890 litres. Hop, on démarre le camion. On a le frein à main. Et on y va. Par contre, il va falloir vraiment faire attention parce que ça va être chaud. Sortir d'ici. Il y a personne, je crois, non? Il y a personne. Oh bah merde, j'avais une bagnole qui arrivait. Bon bah, c'est de ma faute. J'ai pas fait attention. Ce qui arrive en face. Là, c'est pas lui, hein. C'est moi qui a foncé dedans. J'ai pas eu de dégâts, tant mieux. Mais j'ai pas fait attention. En fait, j'étais vraiment. J'ai regardé que d'un côté, pas de l'autre, quoi. Bon, c'est pas grave. Moi, je suis à combien là? C'est pour ça, ça serait pas mal, franchement, de Sony ajoute. Même Xbox, hein, si vous pouvez capturer vos captures avec vos consoles. Mais pourquoi pas ajouter un compteur, ce serait pas mal. Comme ça, quand vous jouez, quand vous faites vos vidéos, bah, vous avez un compteur pour vous, quoi. Qui vous dit combien de temps vous êtes de capture, quoi. Parce que c'est un peu chiant, je trouve. Ouais, il fait quoi, lui? Danger public, quoi. Je suis filmé. Je sais pas si l'autoroute c'est bientôt parce que pour l'instant il n'y a pas d'autoroute. C'est que de la nationale, je vais arriver quand même sur la carte. S'il y a prochainement. Ah oui, là, on va aller bientôt sur l'autoroute. Donc il reste 1h56. À moins que le premier épisode je l'arrête avant. Qu'on fasse la pause et on arrête avant. Vraiment à la pause, vous voyez. Que je m'arrête vraiment dans. Quand on sera. Il reste 15 minutes. Quand on sera à zéro au niveau du compteur. Le compteur de temps. Sinon, on fait ça. Pour le premier épisode, vraiment pour, on va dire, enclencher la série, quoi. Non.
Alors peut-être que je sais pas ce que je vais mettre. Je sais pas si je vais mettre épisode numéro 25, mais je pense que oui. Parce que je veux pas mettre un nouveau série, quoi. Je pense que niveau 25, c'est pas mal, quoi. Là, pour l'instant, là, on arrive sur... Ah, on arrive directement sur l'autoroute. Ok, d'accord. Ah non, c'est toujours à 70. C'est toujours 60, moi j'accélère maintenant. Ah, là, c'est 80. Ok. Là, c'est 80. Alors lui, il fait des zigzags. Je pense qu'il nous faut, il danse à l'ambada. Moi, j'adore ce jeu, franchement. C'est un jeu que je kiffe. Il y a beaucoup de gens qui critiquent, mais moi j'adore, franchement. C'est un bon jeu, faut juste attendre. Je pense que faut être patient, faut leur attendre que le jeu se bonifie avec le temps et ça peut être vraiment un bon jeu. Je suis à combien là? 16 minutes. Il reste 14 minutes, ça, on a le temps. Largement le temps. Donc aujourd'hui, j'essaie de vous publier cette vidéo là. Demain, j'essaierai de vous en publier une autre. Samedi, une autre, et dimanche, bah tout dépend si le trajet se finit ou pas. Donc là, il va falloir tourner, il me semble. Je crois que c'est par là. Par contre, là, on va pas avoir... Je pense pas qu'on va avoir le panneau au Munich. Hein. Je pense pas. Ça devait être trop loin. Je pense pas qu'on aura le trajet Munich. Dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo là, quel est votre plus long trajet et combien de temps vous avez mis. Comme ça, ça me fera une petite référence par rapport au niveau du temps. Ouais, il fait quoi lui? Ok. Ah mais lui, s'il s'insère comme ça, c'est sûr que ça fait un bouchon. Hein. Alors que j'attends que tout le monde passe du coup. Quand il faut courir et faire des obstacles et tout, mais... C'est sûr, c'est le mec qui passe devant tout le monde. D'accord, en fait tu es un petit cochon. Ah c'est bon, je vais voir pour aller après la voiture. C'est ça, on a bien résumé. Moi je prends la boue mais pas les obstacles. Ah du coup ça m'a fait perdre du temps. J'adore, hein, parce que pour la peau c'est magnifique. Eh ben super, je te laisse la boue, Maureen, je te laisse les obstacles, si vous me cherchez je suis au bar. Il y a même temps, faut que je réaccélère. Merci Maureen. Avec pas du gâteau quoi. Ah que le canon a du mal à accélérer je trouve dans le jeu. Il devrait modifier, qu'on puisse modifier la puissance de notre camion. Je sais pas c'est quoi la puissance de base. Vous voyez la pilule qui m'ont mis les mecs, ils ont accéléré comme moi, mais ils sont déjà partis super lent. Je pense qu'on va s'arrêter dès qu'on arrive au temps zéro. Ouais, ce que je fais. On va se caler à 80. Comme d'habitude. 80. Je vais mettre à 81, puis il va se régler tout seul. Voilà, du coup, il se met à 80, 79. Mais t'as des scorpions, ça tue les scorpions? Non, pas ceux-là. Ah, ouais, pas ceux-là. En plus, je savais pas si vous. Je sais pas si vous. Bah, ceux qui ont le permis, parce que je sais pas si vous avez le permis. Donc, moi, sur ma voiture, j'ai un régulateur de vitesse. Mais quand je me cale, par exemple, quand je mets le limitateur de vitesse à 50, en fait, en vrai, vous êtes pas à 50, vous êtes à 45 km/h. Parce que quand je prends par exemple un GPS, que je mets sur ma voiture, je fais un trajet, si je me cale mon régulateur à 50 ou même le limitateur, bah je suis pas à 50, je suis à 45 km/h. Il y a tout le temps une petite marge. C'est pour ça que quand vous roulez sur la route, normal quoi, bah vous pouvez vous permettre de rouler à 85. Parce que si vous faites flasher, vous serez qu'à 80. Donc même sur l'autoroute, des fois, ça m'est déjà arrivé de partir sur les grandes distances. Ou si quand j'avais été voir un ami qui habitait à Orléans, j'avais déjà été en vacances, tout ça, bah je calais souvent mon GPS à 115, au lieu de 110 ou même 135 au lieu de 130. Quoi. Bah, à mon avis, je pense qu'on va pouvoir arrêter la vidéo au moment que je fasse la pause syndicale. Quoi. En plus, ce qui est bien, c'est souvent les podcasts de Manu, j'ai regardé, ou même Koé, ça dure 30 minutes. Donc c'est bien, ça fera le format de vidéo. Faut tourner. Ouais, faut tourner, à mon avis. Sortir là. Ah, faut prendre une sortie là. Ok, d'accord.
On va essayer de voir sur la map, elle est où la prochaine station service pour pouvoir s'arrêter. Mais je pensais pas qu'on allait avoir autant de gens complètement dingues ce matin en lançant ce sujet. Wow. 70 tatouages. Donc ça, on peut faire ce premier épisode un peu plus court que les autres. C'est vraiment pour inclure l'épisode, on va dire. Vous expliquez bien les choses. Par contre, il y a un flou ou pas, non? Bon, malheureusement, je suis pas au volant. Ce serait vraiment un kiff d'avoir un volant, mais j'ai pas les moyens. Je préfère pendant ce temps me sacrifier et pas avoir de volant, et j'ai hâte d'avoir une PS5 et après je prendrai mon volant plus tard, quoi. Après, faut que je me fasse une installation aussi, parce que comme je joue sur ma télé, alors, je sais pas comment je pourrais faire pour installer un volant, quoi. Quel système je pourrais faire pour avoir mon volant? Sinon j'ai une table mini, j'ai une table basse près de ma télé, mais bah, en face ma télé. Là en ce moment il y a le parc du petit qu'on a mis en ce moment. Mais bah je sais pas comment je pourrais faire, quoi, si je peux caler le volant, parce que j'ai peur que ça fasse trop. Du coup, faut que j'achète un super volant. Un super volant. Ça s'achète, mais ça coûte au moins 100 balles, quoi. 150 balles, quoi. C'est cher. Allez, il reste une heure de route, attendez. Pas une heure de route, mais une heure de trajet. Est-ce que j'ai. Est-ce que j'ai le temps de rejoindre ici? Ça serait pas mal. Mais celui-là, de rejoindre là, ça c'est mort. Le rejoindre au moins ici, quoi. Comme ça, je m'arrête ma vidéo comme ça. Je pense que j'ai le temps d'aller jusqu'à là. Moi je suis ici. Non, pas ici, il faut que j'aille. Ici, rejoindre ici, puis j'arrête ma vidéo là. Comme ça, on finit la vidéo plus courte. Et la prochaine vidéo sera plus longue. On essaiera de faire vraiment des épisodes. Ou soit je fais en fonction des épisodes. Hein. Je fais ma vidéo en fonction des temps de repos. Que je trouve ça la main. Bah, qu'est-ce qu'il me fait, lui, le régulateur? Il tient plus le coup ou pas? Voilà, je pense que la prochaine match sur le jeu sera peut-être pas tout de suite. Hein. Là, ça fait deux semaines, coup sur coup, on a deux semaines qu'on a une mise à jour, mais je pense que la prochaine mise à jour, elle n'arrivera pas tout de suite. Hein. Il serait mieux de se concentrer sur au moins le temps du GPS, quoi, sur le qu'on ait les kilométrages sur le GPS. Je prendrai les narines, parce que les oreilles, ça doit être galère pour les écouteurs. Tu vois, il a du mal. Hein. Il broute. Bah, il broute, non, il a du mal, quoi. On va essayer de passer. Il est vert. Je suis en où là? Je suis à 23 minutes. Bon, je pense qu'on a largement le temps de. Il reste 7 minutes, on a largement le temps d'aller jusqu'à la prochaine heure de repos. Soit tu écoutes la même chanson en boucle tout le temps, soit tu écoutes plus jamais de musique. Tu prends quoi? C'est super dur. C'est horrible, c'est horriblement pupute. Ah, c'est horrible, c'est vraiment de la puputerie. Alors je crois que j'écouterai plus jamais de musique. Pour la musique, pour le podcast que je mets dans le jeu. Dans la vidéo, je vais essayer de me caler quand je démarre le camion. Ça fait pas mal. Vous voyez, je démarre le camion, il y a la radio qui se lance. Ce serait vraiment pas mal, quoi. Ça fera un peu réel. Donc pour l'instant, quelques accrochages, mais bah, à part moi, la première erreur de ma part, mais sinon, c'est beaucoup mieux, quoi. Ouais, bah, j'ai la réponse, du coup, mais ouais. On va tout se coller à 80. On va regarder à peu près sur la map combien de kilomètres on a fait. Pas à peu près les kilomètres qu'on a fait, mais le nombre de distances qu'on a parcouru en une vidéo. Pour se dire à peu près combien de temps on va mettre. Bah, je pense que déjà, dans l'épisode 2, c'est un peu plus vite. Parce que bah il y aura pas besoin de démarrer le camion, tout, on partira directement de l'autoroute, quoi. On sera déjà lancé sur l'autoroute, on a pas besoin de traverser la ville. Donc là je suis à 24 minutes de vidéo, presque 25, donc je pense que ça va faire 28 minutes à peu près. Là, ouais, on a 78 km. C'est vrai, c'est vraiment de la place, hein, quand vous regardez à droite là,
où il n'y a rien d'écrit, ils peuvent mettre le kilométrage qui reste à parcourir. À moins qu'ils changent vraiment le design du GPS, ça je sais pas, qu'ils changent vraiment le design. Alors je sais pas un truc, je pose la question si, admettons, est-ce que la version PC est améliorée en même temps que la version console? Ou soit la version PC est vraiment plus avancée que la version console? On est bientôt arrivé à l'air de repos ou pas là? Ah bon, on y arrive bientôt? Ah bon, on y arrive là. Pour ça, je pense qu'on va peut-être repartir de nuit. Vous voyez, il reste 29 minutes. On a largement le temps de rejoindre le prochain air de repos. Comme ça, bah, prochaine vidéo, on part avec 9 heures de temps et on sera bien. Cela serait bien même qu'ils mettent dans le GPS le temps de trajet. Pas forcément le nombre de kilomètres, mais le temps de trajet qui reste à faire et le nombre de kilomètres. Ce serait cool aussi. Et puis qu'on puisse avoir aussi plusieurs affichages. Plusieurs sortes d'affichages sur le GPS, parce que là, qu'on aille un plus près, vous voyez qu'on aille un zoom sur le GPS. Ce serait cool. On est à 26 minutes. C'est mieux sans les téléphones, donc nickel. C'est pour ça, je voulais pas trop faire des longues vidéos, donc je suis obligé de mettre mon chronomètre avec mon téléphone pour avoir le temps de trajet, pas le temps de trajet, mais le temps de vidéo. Là, je suis à 27 minutes à peu près. Je pense qu'on y arrive bientôt, normalement. Ouais. Ah ouais, on est encore loin. Bah sinon, sinon ça dépasse, c'est pas grave. Ça dépasse de 1 minute ou 2, c'est pas le truc grave, mais... je vais pas faire une vidéo de 45 minutes. C'est comme je vous avais déjà dit sur YouTube, plus je publie une vidéo longue, plus je mets du temps à la publier. Que là, c'est bien, 4 heures. Je filme ma vidéo, je fais mon montage vidéo, à 5 heures, c'est fini. À partir de 5 heures, je publie ma vidéo. 5 heures à 6 heures, c'est fini, quoi. Mais s'il commence à faire nuit, je sais pas qui va arriver, là. Il est 19h10, ok. Là, je pense qu'on va bientôt arriver à l'air de repos. Oh, le camion qui est spawn devant moi, quoi. Je pense que c'est